Je réponds au nom de Zacharie Assimo. Je suis le permanent, je suis le correspondant des époux de Satan dans la province de Ituri. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la ville de Bounia, le chef-lieu de la dite province. Vous serez en train d'avoir des informations à travers la référence de l'information. Info 243, la référence de l'actualité. Papa, toi, yambi, on a compris la Yesu. Ce que ça m'occupe, on a zambé salem. Ce que ça m'occupe, on a zambé terre et salem à terre. Et aïe, to sengi kimi à l'amboka. To boy machete, to boy kobomana. To sana posa en zelens à la malamu. Biso ma maman, isé, to sa isé, na biso. Bato na makemba, bate ka makemba malamu. To sana posa na kimi à. Zelanyo c'est à la polele. Obangi te que eza gouverneur militaire, eza civil te. Obanga te na eloko liboso na lobi seka eza mokano na Nzambe esalema. Mais seka eza mokano na Nzambe te esalema te. Eloko liboso Nzambe nde ya nomakamu. Okozala na mwayi loba pona ba mama misusu oya ya province ya Ituri na ba o penza il faut batia pe mabongo na bango pona kotia kimia eza na collaboration na gouverneur wana. Merci. Merci maman. Maman, barigani. Tu n'as pas de temps à faire ça pour la ville de Bounia. Banasema keno état de siège iko na kuwa gouverneur ya province ya Ituri atakuwa militaire. Kungambo wako wao unaona je est-ce que italeta amani ndani ya province? Si tunapenda ndio salama. Tunapenda manjia yote ikuwe wazi. Tuyo namuna kusomesha watoto, tuyo namuna kuishi namuna ya maisha ya chakula. Atulombe maneno mengine ubalibali na hii. Tunapenda kimya ikale kumanjia yote. À santé, maman. Maman, baringin. Tu n'as pas de temps pendant la ville à Bounia, tu n'as pas de temps à la ville à Bounia, tu n'as pas de temps à la ville à Bounia, tu n'as pas de par rapport à un président de la République. Félix Tshisekedi anasema que gouverneur ya province ya Ituri itarudia soda. Wewe unaona ile maneno namna gani? Si babangu bamtishia si soda pia gouverneur. Sina kumaliza msu wetu. Ila gouverneur sisi one clear ndani. Mama tangia tunazalia tu aonaka kuseke soda na pia gouverneur. Na soda na ba population iko na uana. Ile kama sana wanataka soda na pia gouverneur. Sije msu wetu kamalizika. Normalement, kazi ya kupigana ni ya soda. Soda hawezi kupigana kama mwana na population. Soda na ndio kudefend population.
niveau à port, mais dans la ville, il faut police, il n'y a pas de défendre l'âme, il n'y a pas de défendre quand même la population. Quand on a soldat qui est gouverneur, soldat qui a dit le mot pour combattre, il n'y a pas de port, il est avec Haïti, il est attaqué. Merci maman. Merci Mme Choukou. Par rapport à l'état d'urgence qu'a décrété le président de la République. Non, j'en précise ça. J'apprécie ça parce que peut-être ça peut donner l'amélioration sur les places sécuritaires chez nous en Outaouais. Et un militaire devenir un gouverneur de la province, pensez-vous que c'est quelque chose qui va satisfaire la population, surtout les femmes de la province? Mais si ça n'a pas allé avec les autres, peut-être avec lui ça peut aller. Là, il faut essayer avec tout le monde pour voir qui est mieux placé, qui peut faire quelque chose de bien. Merci beaucoup, madame. Ah, viens, Mbote. Mbote, papa. Pour Namboka Ituri, parce qu'il y a un groupe parmi la province Oyo, et qui bénéficie d'un état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Point de vue, Nayo, Ezanini, d'un côté à province Ituri, place Tozana. Bon, point de vue, Nanga, état qui est Iturien, la Koliawa, Naebi Makambo, Ezana Ituri. Na epi pe mitu ya bato ya Ituri. Soko moni mokozi ya mboka ke ko ganga ukende ulobate province mibale wana batie état de siège. Ce n'est pas pour rien. C'est que azwaki ba information ya kouta na Ituri. Po Ituri wana ezana ba msusu ba bota mikolo bazo yo baka Ituri kaka wana. Mais ezana bato oyo we yakala meme Lumumba. Alobaka abite bobo sana kabande kona bino te bawo bazana Ituri kibali tu ezali pamba te po baebito za kabitu makasi je ba proclamer état de siège ponanga na sepeli mingi pona sécurité abana mboka po makile tangi mingi banda makile banda ko tangeza na solution te bande kona biso toloba ba oyo bazako kamba biso ba civil ba msusu bazana ba parti pris. Mokozi ya mboka moni soki ya sali boe, eko simba te. Omwe ati ya biloko nyoso ba militere, po militere, yende babi ya kenge la biso. Po babiso yi mwana sali mwa mbeba na ndako. Soki ya zako yoka te. Baluka kata noko ya zalaka tro viola. Po ya zako yoka mwana azoka papa te ya yoki papa leki te baluki noko. Po ya zaka viola. Ako ya kotia ordre. Nde, lokola ba tinteli biso, seke ba militere. Po ba ya kosunga biso bati ya kimia na mboka eza malamu mingi. Po mokonzi ya mboka zana posa mboka zana na kime zana te ya zoka mba mboka bino bozo sala mobulu. Suka ya mbula to suka ya mandane bo ya kolo ba ye eza la kiboye. Ya ringelo kwa nate. Biso nyoso tu sabe ituye koto fanda kimia to sala msala na biso ya bilanga. Bakati bilanga, bakata bilanga. Bao bazo sala msala kelasi ya kotangisa. Batangisa, bao bazo sala ya kubongisa balabala, babongisa. Mutu na mutu wazara libre. Eza lukua tango ya karatu zako tambulu. Zo tambulu, zo bimao, zo kende kasenye na butu. Oke komanda na butu. Bamsu bazo kende magi na makolo. Melelo soko meki, osala ta demetre te. Oza ya kolala. Merci beaucoup, père. Info 243, la référence de l'actualité. Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Benimavivi et dans d'autres points stratégiques de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé capturé à l'aéroport par les militaires FARDC. Il a dévoilé ses pères arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukulia, de la commune de Bungulu. 8 membres de ce groupe armé dirigé par Kakule David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leurs fétiches au Centre pour la coordination des opérations CCO Beni. Lieutenant Donny Malusha et porte-parole des FARDC dans les opérations Sukula 1 explique les circonstances de leur arrestation. Ce groupe Maïmaï qui nous fait la force, à chaque fois ils se rencontrent et ils planifient comment déstabiliser la ville de Beni, comment attaquer les points stratégiques de la ville de Beni. Entre autres, s'attaquer à l'aéroport de Mavivi. Et vous êtes sans ignorer que l'aéroport constitue les poumons même de notre ville sur le plan commercial et touristique. Pour aller avoir les renseignements et prendre des dispositions au niveau de l'aéroport et d'autres points stratégiques qu'ils planifiaient pour attaquer. Ils ont envoyé parmi ces deux
un agent de renseignement. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démanteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à connivence avec le groupe armé ADF. Le porte-parole réitère la détermination des FARDC pour détecter les collaborateurs de ces groupes armés pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démanteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les mains des services des renseignements militaires pour la poursuite des enquêtes. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de 2 décennies par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays, sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. Cette image écornée, dont la conséquence immédiate est la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale, n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réitéré lors de mon investiture. L'un de ces engagements fermes était de déployer toute mon énergie et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité qui sévit à l'est du pays, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives qui y ont élu domicile ou en ont fait leur base arrière. Pour cela, je salue la bravoure de nos vaillantes forces armées qui se battent jour et nuit pour nous assurer l'intégrité de notre territoire national et protéger nos populations contre les attaques de ces forces négatives. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'est du pays lors de la dernière campagne électorale jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'état de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que se soit enfin rétablie la paix durable à l'est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution,
et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière, de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales, de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilant et attentif pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées. Et enfin, aux servantes et serviteurs de Dieu, de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Info 243, la référence de l'actualité.
Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de deux décennies par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays, sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés, ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie Est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ses populations. Cette image écornée, dont la conséquence immédiate est la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale, n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réitéré lors de mon investiture. L'un de ces engagements fermes était de déployer toute mon énergie et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité qui sévit à l'est du pays, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives qui y ont élu domicile ou en ont fait leur base arrière. Pour cela, je salue la bravoure de nos vaillantes forces armées qui se battent jour et nuit pour nous assurer l'intégrité de notre territoire national et protéger nos populations contre les attaques de ces forces négatives. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'est du pays lors de la dernière campagne électorale jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'état de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que se soit enfin rétablie la paix durable à l'est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la Défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière,
de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales, de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilant et attentif pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.